Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été accueilli à Luanda par son homologue angolais, João Lourenço, afin de discuter de la tension croissante entre la RDC et son voisin, le Rwanda. Cette tension s'est intensifiée suite à la reprise en mars dernier des combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du 23 mars, M23, sur son territoire. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23 pour déstabiliser la région orientale de la RDC et piller les ressources minières congolaises. Kigali dément ces accusations. Avec cette rencontre, le président angolais endosse le rôle de médiateur pour l'apaisement des tensions entre les deux pays voisins. Le président congolais Félix Tshisekedi a d'ailleurs accepté, à sa demande, de libérer deux soldats rwandais capturés récemment. João Lourenço s'est entretenu au téléphone avec le chef d'État rwandais Paul Kagame suite à cet échange. Ces discussions ont permis aux deux chefs d'État de s'entendre sur la tenue à Luanda d'un sommet auquel participeront les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda.